Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent encore, notamment à la Game Gear dans le futur. Où nous sommes? Bon bah après avoir fait le Versus NES Master System, je me suis dit tiens, ça peut être une bonne idée de découvrir la version Game Gear. Je vous aurais bien fait une run de la version Master System, mais bon, sur émulateur, comme j'ai dit, c'est pas terrible. Bon là j'ai mis la... Enfin ouais, ça saccade et tout, c'est pas très propre. Là j'ai pris la ROM Game Gear, j'ai fait un test, donc je l'ai mis dans MAME. Je peux pas trop bien régler les filtres, ça va être un petit peu flou, voilà, avec le filtre appliqué, mais ça va. Mais l'animation, le plus important c'est l'animation, et ça a l'air d'aller. Donc du coup, on va faire cette version Game Gear dans son intégralité. Puis voilà, la version Master System étant fraîche dans ma tête, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, faire un petit comparatif. Mais avant de démarrer cette run, on va acheter un coup d'œil à la presse d'époque. J'en ai chopé deux. Voilà, on va commencer avec Megaforce. Je sais plus quel mois c'était. Ça devait être... est-ce qu'il y a le numéro en bas? Janvier 95, voilà. Bon, très bien. Donc là, le petit avis, ils disent que voilà, c'est un bon jeu et tout. Mais... autre ombre au tableau. Donc là, il parlait d'Eliane dans le niveau du marais. J'ai déjà évoqué ça dans le Versus. C'est assez casse-couille. Alors, autre ombre au tableau, l'animation. Si la plupart des tableaux sont bien animés, il en est d'autres qui sont carrément saccadés. Bon, écoute, on va voir ça. Au début, je croyais que mon écran était parkinsonien, mais non, les tremblements venaient du jeu. Bon, écoute, on va découvrir ça, parce que là, ça va être quasiment la première fois que je vais jouer à la version Game Gear. Bon, une note de 80 quand même, 80%, c'est pas trop mal. Son 16, graphisme 17, animation 15, maniabilité 14, intérêt 16. Allez, on va regarder Player One. Voilà, tu vois, il y a la capture du jeu à côté. Donc, test sur deux pages quand même. Elle voit des schtroumpfs partout, vous connaissez. Bon, alors ouvrez vos mirettes et concentrez-vous. Alors attends, pourquoi il veut... Voilà. Concentrez-vous sur la nouvelle aventure du tableau. Commencez encore. Oui, parfaitement, encore eux. Et on ne discute pas. Voilà, donc je fais glisser le test. Tu feras une pause à l'écran si tu veux lire. Page numéro 2. Donc une note de 85 quand même. Hein, c'est plutôt pas mal. Player Fun 70. Bon. Apparemment, c'est pas l'éclate dans le jeu, hein. Mais bon, voilà, on est en 95, hein. Il y a la Saturn et la PlayStation qui allaient pointer le bout de son nez. Alors, je crois que les Red Hat, hein, les versions Master System et Game Gear, je crois que voilà, hein, c'était légèrement ringard tout ça. Alors, vous qui rêviez d'un nouveau petit jeu de plateforme mignon et pas trop difficile, ne cherchez plus, vous l'avez schtroumpfé. Graphisme 80, c'est simple et joli, on retrouve sans problème l'ambiance de la BD. Animation, rien de bien extraordinaire, mais rien de mauvais non plus, c'est correct. Bon, a priori, rien sur les lags. Son 70, là, schtroumpf, là, moi, au bout de 10 secondes, je deviens fou. Oui, bon, voilà. Jouabilité 80, correct dans l'ensemble, mais le personnage glisse un peu sur le sol. Oui, c'est pareil sur NES et Game Gear. Allez, on va faire un petit cut et on va passer au gameplay. Bon, allez, c'est parti. Alors, voilà, écran de sélection des langues. Alors... J'y joue sur MAME, j'aime pas trop. MAME, j'utilise surtout pour les jeux d'arcade. Parce que comme je te disais, voilà, l'écran va être un petit peu flou. Hein, j'ai pas trouvé comment mettre en pixel perfect. D'habitude, je joue sur Kega. Mais Kega, là, j'ai chopé deux ROM et les ROM déconnent. Il y a acte 1, puis après, il n'y a plus rien. Donc, en changeant d'émulateur, ça règle le problème. Bon, les options, moyen, dur, facile, on va rester en moyen. Hein. Jeu, options, allez, c'est parti. Je fais la capture en 60 fps, je sais pas trop en... Le jeu il doit pas tourner en... Enfin non, 60 fps plutôt, il doit pas tourner en 60 fps, mais bon. Voilà, j'ai dit dans le doute. Hein. Donc on constate que le scrolling saccade un petit peu, mais... c'est quand même... beaucoup moins... Alors là, tu vois, j'ai 4 points de vie. C'est quand même beaucoup moins que... déjà l'émulateur, hein, Master System, et puis beaucoup moins que même le vrai hardware Master System, voilà. Là, on a... On a un scrolling qui est... ça va, ça passe. Alors oui, donc ça c'était une des caractéristiques. Hein, donc on avait la version NES Master System, on démarre avec 3 points de vie. Et là on en a 4. Alors. Donc on récupère les feuilles, hein, je crois au bout de... Je suppose ça doit être 20 feuilles, on récupère une vie je pense. Voilà, donc tu te doutes bien, hein, je sais pas. Voilà, j'ai risqué là. Ah, est-ce que tu vois, l'écran il est un peu recentré du coup là. Ouais, là je suis un petit peu perturbé parce que du coup, étant donné que c'est une console portable, on a une action un petit peu plus recentrée. Ouais, je vais me faire couillonner à cause de ça. Alors on va essayer. Ah ouais, ça lag là.
Ouais, il y a un petit lag dès que je trouve noir, mais bon. Donc, est-ce que ça va être une run one life ou one credit? Bah, j'en sais rien. Tu le verras dans le titre, parce que bon, bah, je sais pas, hein, au moment où je tourne la run. Bah, je me fais toucher, parce que là, j'y allais, on va prendre un peu notre temps. Ah, merde, quel con. Ah, putain, puis là, je peux pas. Ah, bah si, on peut re-rentrer. Il y a une des deux versions, je pouvais pas re-rentrer. Bah, ça devait être la version Master System. À moins que j'ai eu un petit bug, je sais pas. Parce que là, on va essayer de récupérer les étoiles, voilà. Donc les Schtroumpfs, voilà, on peut leur sauter dessus, hein, sur NES, bah on peut pas. On se fait toucher. Voilà, parce que si on récupère 5 étoiles, et ben on arrive dans le niveau bonus. Donc là, je pense qu'on a eu les 5, hein. Oh, on va pas le faire à chaque fois. Là, c'est vraiment... Envole-toi dans la bulle, voilà, ok, très bien. Donc ça, c'est un bonus stage qu'il y a dans les deux versions. Alors là, voilà, on a un scrolling. Ok, on a une vie là-haut. Ouais, ouais, ça saccade, ouais. Tu vois, quand il y a... Quand on a beaucoup de sprites à l'écran. Merde, la vie. Ah, je l'aurais pas, la vie. Donc, je vais essayer de respider, là. Ah, merde, dommage. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, les petites framboises, hein, ça nous remet des points de vie. La rivière, je trouve. Ah oui, voilà, c'est... Ouais, mais c'est un bon jeu, hein. De toute façon, bah tiens, Benji, là. NES, Master System, Game Boy, Game Gear, hein, c'est ce que je disais dans le Versus, hein, tu te trompes pas, hein. Les Schtroumpfs, c'est vraiment un super jeu, hein. Enfin, en 8 bits, hein. Et on va reprendre de la vie. Donc, on essaye de se tenir, ici, bah, vers le milieu de l'écran, de manière à pouvoir anticiper suffisamment, puis on voit si on voit des bonus passer, bah, on a le temps de... Voilà, on a le temps de les prendre, hein, tu vois. Hop. Voilà, puis en moyen, enfin en difficulté moyenne, c'est un jeu qui est très agréable à parcourir, hein, y a pas... Les niveaux sont pas très longs, hein, tu regarderas, c'est genre 2 minutes, enfin, par quelques niveaux peut-être un peu plus long comme le marais, mais c'est des jeux, enfin des niveaux qui sont relativement courts. Voilà, il y en a, bah, si c'est comme sur Master System, il y en a une douzaine, c'est très varié, hein. Là on voit déjà dès le niveau 2. C'est. Voilà, ça va être une des grandes forces, hein, de. Bah de ces Schtroumpfs, hein, ça va être la variété. Alors la vie. Ah, oh, putain, j'avais fait droite, tu regarderas l'input. Dommage, t'as deux stages bonus où je loupe la vie là. Acte 3, le pont. Ok, très bien. Le pont, il est pas. Il est pas très grand. Alors là par contre là. Voilà, le fait que l'écran il soit petit, ça risque de peut-être de me gêner dans la lisibilité de l'action. Pour le moment ça passe. Non, tu vois, ils ont. Normalement il était plus loin. Le pont était plus loin, ils ont recentré le... Merde, j'ai failli tomber, là. Ils ont recentré l'action. Je laisse passer le poisson, là. C'est pas tombé. La vie. Faut que je saute sur l'oiseau, voilà. Tant pis, on laisse l'étoile. Ouais, donc il y a... Il y a eu quelques petits ralentissements, bah, un peu comme sur Master System, mais... Mais ça va, enfin là, tu vois, globalement, le scrolling, il fait pas mal aux yeux. Hein. Alors, on est à 5 minutes de jeu, là, on est déjà au niveau 4. 4 sur 2, on est déjà à un tiers, voilà. Alors là, attention, parce que ça, c'est le niveau... Si on perd des vies, ça va être ici. Parce que le problème, c'est sur les lianes, c'était mentionné, c'était pas très jouable, c'est-à-dire... sauter bien. Alors, regarde bien les inputs que je fais. Sauter de liane en liane, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas simple. Il va me casser les couilles. Ouais, le jeu est chronométré, mais ah oui, il y a un bonus ici. Voilà, on prend la framboise, tant pis, c'est surtout la... Voilà, la mouche. Bon, tant pis, on oublie l'étoile. Là, je vais m'en foutre un peu des bonus. On va surtout essayer de survivre. Tu vois, les lianes, ils s'accrochent tout seuls. C'est... Un coup, ils s'accrochent, un coup, ils s'accrochent pas. C'est... Donc là, je tente pas, parce que normalement, il y a un moustique. Voilà. Faire office de plateforme volant, enfin mouvante, je veux dire. Voilà, là j'ai voulu m'accrocher, ça a à moitié marché, je suis moitié tombé. Là c'était vraiment très random comme action. Voilà, j'attends. Voilà, on prend pas le risque. Ça c'est vraiment le niveau casse-gueule, hein. Donc c'est faut bien connaître les inputs, en fait, la réaction
bonhomme. Ah putain, oh putain, ouais. En fait, je pensais qu'il y avait un moustique. Je pensais qu'il y avait un moustique, bon bah il nous remet tout au début. Voilà, c'est la merde. Et puis vu que l'écran il est resserré, bah je l'ai pas vu sortir là. La tête de la grenouille. Ouais putain, mais c'est vraiment random. Alors bon, ça sera pas un one life hein, ça sera un one credit. Bon, le but c'est pas forcément de faire un one life hein, c'est vraiment de te montrer de faire un playthrough du jeu quoi. Voilà, surtout te montrer bah la variété des niveaux quoi. Puis bon bah du coup dans l'intégralité du jeu, parce que j'aurais pu faire la version NES, mais voilà, comme on a vu, étant donné qu'il n'y a pas tous les niveaux dans la version NES, bah, j'ai dit allez, on va... Voilà, là, j'ai choisi de m'accrocher. Oui, vu qu'il n'y avait pas tout dans la version NES, puis du coup, la version Master System sur l'émulateur, c'était pas top, bah, j'ai dit allez, on va se faire cette version Game Gear. Parce que bon, Game Boy, on aurait pu faire Game Boy, hein, mais bon... Noir et blanc, ça pique un peu les yeux peut-être pour certains. Voilà, là j'ai anticipé la sortie. Alors là, c'est pas, on va essayer de tuer la mouche là. Voilà. Que je puisse sauter sur ces plateformes tranquillement. La sortie est là. Voilà. Ok. Dommage pour cette vie perdue. Allez, c'est pas grave. Donc le boss du serpent. Donc là, bon, je vais le laisser passer. Il faut sauter sur sa tête. On est pas obligé qu'il soit à l'arrêt hein, normalement. Merde, il m'a touché là. Ouais, il me reste 2 points de vie. Bon allez, on va jouer safe. Ouais, j'ai 7 vies en stock, ça va hein. Alors voilà, il s'arrête là. Voilà, tu vois. Peut-être j'aurais pu le retoucher, mais j'ai dit allez, on va pas. Alors attends, vite vite vite. Merde. Ouais, là ça l'a pas touché là. J'ai mal joué là. Allez, je l'ai eu. Je sais plus, ouais, 4-5 coups quoi. 4-5 coups, faut lui mettre. Alors. Voilà. Et après, bah, il s'en va, puis il laisse la clé. Voilà, on libère notre premier, je trouve. Le schtroumpf à lunettes. On note que le jeu est en français, hein. T'avais au début de la run, il y avait le choix de langue. Le chant de Salse, pareil. C'est un niveau tranquille en principe, ça. Oh merde, quel con. Essayer de ramasser les étoiles, pourquoi pas se taper un petit stage bonus. Tiens, l'étoile elle est là. Ouais, la feuille elle est, tant pis. Voilà, c'est la framboise, très important. Voilà, pour reprendre un point de vie. Là il y a un passage. Voilà, ok, bon, c'est juste pour ramasser des feuilles. Bon allez, vas-y, on va pas s'énerver ici. Voilà, c'est surtout des framboises qu'il me faut là. Tiens, une vie là. Ouais, le jeu est généreux hein, sur les vies. Hein. C'est, tu vois, si tu cherches un bon petit jeu de plateforme à faire découvrir à ton gamin. Ah bah là, cherche pas plus loin. Hein, je trouve qu'il est top. Hein. Moi, je l'avais eu Day One, je crois que c'était en Game Boy. Day One ou alors vraiment très proche de la sortie. Je m'étais super éclaté avec. La version Game Boy, elle est tout aussi bonne, hein, elle est excellente. Hein. Allez, donc là, voilà. Sauter sur la feuille. En bas, je pense qu'il y a un passage, on va pas le tenter. Voilà, on saute par-dessus l'araignée. Tu vois, je maintiens toujours le bouton enfoncé. C'est comme Mario Bros, hein, tu maintiens... Il y a un bouton pour courir. Hein. Allez, on est joueur, on prend l'étoile. Merde, je vais me refaire toucher, putain. Putain, m'a coûté cher, cette étoile. Ouais, bon, ça rame un peu, là. Voilà, je vais arrêter de courir. Oh, merde! Oh là là, ce bol. Ah, elle a failli me coûter cher, cette étoile, là. Bon. La bulle, une fois de plus. Ok, alors. Bon, merde, je sais que la vie, elle est au milieu, donc on va... Ouais, j'ai 10 vies en stock, hein, ça va. Ça va, on est flex. Allez, j'ai eu la vie, c'est cool. Ah, merde, oh là là, quel con. Bon, les framboises, ça va, pas trop besoin. Ouais, allez, c'est pas mal. J'ai dû juste couper la... Il y avait une feuille tout en haut à droite, en principe.
Sinon, bah, pour le reste, c'est une grosse razzia. La montagne. Alors, bon, bah, ok, c'est comme sur Master System. Merde. Ouais, il va falloir faire gaffe à... Voilà, pas trop se précipiter. Est-ce qu'on a... Non, il n'y a pas de secret ici. Merde. On sait qu'elle m'aurait pas touché. Ouais, on va perdre une deuxième vie, là. Voilà, là, il y a un passage. Ah, une framboise. Super. Voilà, ok, bien. Bon, faut aller l'étoile, vas-y, on s'en fout. Alors, voilà, là, je me souvenais qu'il y avait un rocher. C'est pareil, c'est tout pareil que... Ouais, on va de l'autre côté. C'est tout pareil que sur Master System, pour le moment. Hein. Bon, toi, il y a quelques lags, mais... C'est beaucoup plus supportable que sur Master System, quoi. Franchement, c'est propre, hein, pour... Merde, pour une Game Gear, c'est pareil, hein, la musique... La musique est vraiment propre, hein, pour de la Game Gear. Non, il est pas fini. Ouais, je vais certainement perdre une autre vie, là. À moins de jouer à Supra Safe. Ouais, parce qu'on est chronométré, hein, tu vois, on a le temps en bas à droite, là. Alors, ici, on a rien. Ici, non, on a rien. Merci. Si je peux pas trouver un petit... petite salle secrète. Oh, putain. Ouais, j'ai voulu lui sauter dessus à la guêpe. Putain, mais le bol que j'ai eu, là. Alors là, hop, on se baisse, on ramasse le... Voilà, et là, il y a un secret, attends. Voilà, au bout du pont, voilà. Donc là, il faut... Ok, alors... Si on tombe dans le trou, je sais pas ce que ça donne, hein. Je sais pas si on perd une vie. Eh, j'ai 12 vies, hein. Franchement, on est flex. Vu la difficulté du jeu, on est flex. Là, on est pas mal. Alors... Ouais, quelques saccades, mais ça va. Ça va. Ça reste acceptable. Bon, bah, 2 étoiles, pas de bonus. Donc, 6 sur 12, on est à la moitié du jeu. Ok. Acte 7, le meilleur Stingoy. Ah, il est super. Super niveau, ça. Eh, sur NES, ici, mais la musique est déchirée. Voilà, là, tu vois, je bourrine le bouton pour... donner des coups de bec, voilà, tu vois, comme ça la cigogne elle a la tête penchée, c'est comme si ça faisait une attaque bélier, hein, finalement. Ah, c'est moins furieux. Ah ouais, voilà, je me disais, où sont les éclairs. Merde, c'est moins dur que sur NES ici, hein. Bah, tu vois, le fait qu'on puisse attaquer avec la cigogne. Alors ça, voilà, une espèce de passage dans la grotte, il n'y a pas ça sur NES, hein. Avec les pointes là. Exit, voilà. Puis c'est pas très long, ça dure pas 3 ans, tu vois, ça s'enchaîne bien, hein, franchement. Vite, l'eau monte. Ah bah voilà, justement, le bonus du barrage, bah, qui est... Voilà, la vie elle est là, bah, le bonus du barrage qui n'existe pas. Hop, hop, hop. Oh putain, j'ai eu le temps d'aller en face. Voilà, bah, qui n'existe pas sur NES. Donc, enfin, du moins, moi, je l'ai pas vu. En tout cas. L'ancienne mine d'or. Alors. Donc là, on va se mettre sur le frein. Hein, voilà, c'est le truc en wagon. Donc, je maintiens arrière enfoncé. Voilà, comme ça, on réduit toujours notre vitesse. Voilà, de manière à avoir le plus de temps possible. Bah, pour pouvoir venir les obstacles. Pour le moment, je me prends tout dans la gueule. Ah, je joue comme une cave, là. Pour l'étoile. Putain, j'espère. Ouais, voilà. Parce que là, s'il y avait un rocher qui pourrait rusher, là, je me le serais pris en pleine gueule. Allez, bien, impeccable. Tant pis pour l'étoile. Merde, la framboise. Ouais, c'est assez pénalisant, hein. Voilà, surtout ne pas monter là. Parce que si on est en haut, bah, on peut pas aller en. On est obligé de tomber, en fait, quoi. Ouais, là, c'est rigoureusement identique à la version Master System. À part le recentrage d'écran. Putain, mais je l'ai esquivé, mais in extremis, le rocher là. Je vais me faire toucher. Même pas, putain. Oh là là. Oh là là, combien de fois j'ai évité la mort ici là. Combien de fois j'ai évité la mort. Alors, on a joué méga safe, mais putain, c'est vrai que bah du coup le fait que l'écran soit si étroit. Ouais, là faut des réflexes de jaguar, hein, pour.
Voilà, bah pour esquiver. Alors, on va chercher quoi. Les couleurs sont pas les mêmes que sur Master System. Là, les plateformes étaient jaunes. C'est, il est plus sombre. Donc ça, c'est pareil, hein, phase. Phase inédite, hein. Ça, ça existe pas sur NES. Tant pis pour l'étoile. Ah bah, je suis complètement bourré de chemin pour les étoiles, c'est pas grave. Une vie. Ça va, on a 16 vies, je crois qu'on est pas mal. Alors là, voilà, il y a deux sorties, là. Attends. Il y a la première et la deuxième, c'est la même, normalement, c'est juste pour l'étoile. Bon, on a eu deux étoiles. T'as vu, on a le temps, quand même. Ah là là, va la pas monter. C'est pas furieux, hein. Par contre, putain, en difficile sur NES... Azrael, c'est Avrel, je crois, le... Avrel ou Azrael, je sais plus. Ah mais lui, mais laisse tomber, c'est un ninja, quoi. Lui, le chat, putain, pour le boss exclusif. Le boss exclusif NES, putain, mais alors lui, pour le buter en difficile... Ouais, c'est bon, je l'ai touché. Voilà, il faut bien que j'attende que le cadeau, il reste dans l'écran, en fait. Voilà, tu vois. Ouais, tu vois. Eh, là, sur NES, tu le touches pas, là. Tu vois, parce que le cadeau, là, il lui pète vraiment devant les pieds, là, regarde. Tu vois. Alors, voilà, donc, on a la clé. Ouais, sur NES, c'est plus difficile, hein, de le toucher, le dragon. Donc là, voilà, faut se servir de sa tête comme une plateforme. Tu as délivré le Schtroumpfarceur. Oui, il nous manquait pas spécialement, lui, hein. Alors, acte 10. Donc, 10, 11, 12, ben, on est pas loin de la fin, là. Descente en luge. Alors là, c'est pareil, hein, on va tempérer. Voilà, et les petites pièces. Merde, ça va nous mettre un... Voilà, un boost de vitesse. Ouais, donc là, tu vois, je vais y aller... Bah, très cool niveau vitesse pour... Bah, tant pis, on a loupé l'étoile. Bah, avoir le temps de... voir venir les ennemis. Tant pis pour l'étoile, hop. Moi, je freine en même temps, hein, parce qu'il faut bien doser, là. Hop. La vie. Bon, alors là, je sais pas si j'allais tomber ou si le corbeau, il m'a sauvé, j'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que là, j'ai encore un coup et je suis mort, là. Oh là là. Je croyais que j'étais bon pour tomber, là. Oh, bah, regarde-moi ça, là. T'as, là. Là, c'était vraiment périlleux, là, encore, hein. Donc, c'est pareil, encore un niveau qui a duré 30 secondes. La falaise, en principe. Voilà, la falaise. Donc, ça, c'est pareil, ça n'existe pas sur NES. C'est court, hein. Voilà, on va. Faut que j'observe, voilà, faut que j'observe le timing. Là. Ça va vite, hein. Ah putain, ouais. Ah ouais, là tu vois, je suis déstabilisé, ça va plus vite que sur Master System. 1, 2, 3, 4, ok, ouais, putain, je perds deux vies là. Alors, ouais, faut que je compte là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Putain, deux vies perdues sur une connerie, quoi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, tu vois, on est en train de danser là. Ouais. J'étais pas en timing parce que j'ai vu les framboises, j'ai dit me les faut absolument. 1, 2, 3, 4. Ouais, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, voilà, c'est bon, c'est short. Ouais, les porcs épiques, évidemment, faut pas les tuer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est bon. Bon, un petit coucou à l'ami Ozaki, hein. T'as deux vies perdues ici, je suis deg, quoi. Je suis deg. Putain, à cause que le timing, c'est pas le même, quoi. Ça m'a déstabilisé, ça. Bon, ça va, les vies, c'est pas ce qui manque, hein. Allez, gauche. Voilà, je vais renifler que la vie était là. On peut pas sauter, hein, c'est... On glisse. Si on appuie, bah, on est au dernier niveau. Si on appuie sur le bouton de saut, hein, c'est... Ça marche pas. Alors, bah, là, tu vois, c'est comme je disais, hein, sur NES, à vrai, on l'a pas. Mais là, on l'a. Alors là, je maintiens le bouton de coude s'enfoncé, je ramasse le cadeau. Voilà, donc, le cadeau. Voilà, là, j'ai touché Avrel. Donc, tu vois, parce qu'en fait, il bouge en même temps que le scrolling. Voilà, je l'ai retouché une autre fois, là. Donc, en fait, je manipule son comportement, là. Peut-être
peut-être au bout de 3 cadeaux, il va gicler. Putain, alors attention. Ouais, ça rame un peu, là. Bon, limite... on va l'ignorer, hein. Ah, une framboise, putain. Est-ce que là, j'étais mort? Le tremplin, il va me le falloir. Parce que là, il faut que je passe par-dessus... voilà, le chaudron. Voilà, sinon, on se fait toucher. Regarde, le level design est quand même bien pensé, hein, parce que là... Allez, oh là là, oh là là! J'ai ramassé la framboise juste devant sa tronche, là. Ouais, le level design est quand même bien pensé, tu vois, parce que bah, tout est fait pour... Allez, bah je me suis fait toucher, donc on prend la vie. Tout est pensé de manière à bah, ne pas rester au sol, tu vois. Alors, la petite phase d'escalier, voilà. Merde, qu'il n'y a pas sur NES. Ah ouais, alors là, du coup... Alors graphiquement c'est différent de la Master là. Ouais c'est beaucoup, merde c'est beaucoup plus sombre. Alors 18 vies, où c'est que je reprends? Ouais voilà c'est bon. Ouais mais là c'est pareil tu vois avec la taille de l'écran. Ouais putain ça va être compliqué. Ouais de voir, bah d'anticiper ça. Bon Gargamel en soi il est pas très dur hein. Enfin, je pense qu'il va y avoir une... Voilà une framboise obligé. Voilà là je trouve Fête qui est dans le coffre ici là. Ouais, il est moins facile, étant donné la taille de l'écran, sur Master System, il est plus facile. Enfin, voilà, moi, j'ai pas crevé autant de vie sur Master System, hein, j'ai dû en perdre qu'une. Allez, on est à Gargamel, alors là, il faut aller hyper vite, voilà, il faut se mettre ici de la bascule. Voilà, le gland, il est là, et enchaîné comme une usine. Voilà, tu vois, allez, dépêche-toi. Merde. Voilà, bon, bah, c'est bon, voilà, jeu terminé. Ça va, c'était pas furieux. Mais bon, bah, Gargamel, il avance. Donc, bah, s'il est trop près, bah, après, bah... T'es mort, hein. Bon, bah, ça va, on a... Donc, on a perdu une vie, donc, au marais. Et puis, les deux autres, bêtement... je crois que c'était deux vies, hein. Et puis, bon, bah, ici. Ouais, on a perdu 3-4 vies en tout. Bon. Voilà, vu tout le stock qu'on avait. Ça fait quand même un... Une petite run en one credit. Je sais même pas s'il y a des continues d'ailleurs. Je sais plus s'il y a des continues. Au moins il y a les mots de passe. Mais enfin voilà, ça fait un autre jeu de torcher en vidéo. Puis surtout, bah, ça t'a permis de voir du coup, l'intégralité du jeu. Voilà, suite à mon versus. Voilà, même si déjà dans le versus, hein, on en a vu déjà une bonne partie. Mais là, ça permet de jouer et commenter en même temps. Donc, tout le staff, hein, infogramme. Danse producteur Bruno Bonnel alias Satan, voilà, selon Ozaki, c'est pas moi qui vais le contredire. Et voilà, on revient au logo Sega. Ainsi s'achève cette vidéo. Bah mets-moi en commentaire hein, si bah t'as connu hein, je sais pas, la version NES, Master System, Game Gear, Game Boy hein, si tu t'es bien éclaté avec ces schtroumpfs à l'époque. Si jamais bah tu voilà, tu le connais pas, tu l'as découvert avec cette run ou bien voilà avec ma vidéo de versus, bon. Vas-y, fonce, hein. Moi, c'est un jeu que je t'encourage vraiment à jouer avec. C'est un jeu que j'ai toujours adoré. C'est un jeu voilà, qui est assez facile dans l'ensemble. Hein. Dans la presse de la NES, ils disaient « Ouais, c'est un peu difficile et tout. » Mais non, ça va. Ça va, tu vois. Puis c'est un jeu, les niveaux sont assez courts, c'est très varié. Non, franchement, c'est super. Hein. Franchement, c'est super, quoi. Bon, ben voilà, les enfants, exprimez-vous en commentaire. Et moi, je vous retrouverai sur la chaîne bah, prochainement. Pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, ceci n'est qu'un jeu !